l'alimentation, à la démographie, aux adaptations au changement climatique, AVN se propose de vulgariser à grande échelle cette technique de maison construite entièrement en terre, entièrement en matériaux locaux. Maison de qualité, maison durable, confortable et qui s'inscrit dans une économie locale. La largeur de la boule est 3,25 m et d'accéder à tous les niveaux de la salle par les couloirs latéraux de circulation qui sont eux en demi-boule. L'intérêt aussi de ces couloirs, c'est d'amener un très grand confort thermique. Les couloirs font tampon thermique et permettent une salle avec une climatisation passive de grande qualité. Le bâtiment, pour son gros œuvre, est entièrement réalisé en terre et peut-être largement produit par les bénéficiaires du bâtiment eux-mêmes. Voilà rapidement les caractéristiques de la salle d'Alpha. L'inauguration d'une petite salle de classe, qui est une salle d'alphabétisation, qui a été réalisée dans le cadre d'un programme de vulgarisation de la technique de construction en Côte-Nubienne. En fait, le programme est mis en œuvre par l'association Le Partenariat et l'association La Côte-Nubienne. Le partenaire financier de ce programme-là est la fondation EPHAGE en France et EPHAGE Sénégal également participe au financement de ce programme. L'objectif premier est de diffuser la technique de construction en Côte-Nubienne dans la partie nord du Sénégal à partir de la zone de Modor par une technique de vulgarisation auprès des habitants et de formation des maçons locaux pour aider à la création d'un marché local. C'est l'objectif premier du programme, c'est diffuser un habitat de qualité, un habitat en terre, moins coûteux, adapté aux conditions climatiques. La technique de construction vient notamment du Burkina, où elle a été développée par l'association La Côte-Nubienne, qui est venue avec des maçons burkinabés qui forment des maçons sénégalais pour la construction de ces bâtiments. L'objectif à terme, c'est que le marché soit autonome dans la zone nord du Sénégal, mais également au Sénégal. A été implantée depuis 2005. Jusqu'à présent, elle n'a jamais bénéficié d'aucune construction de salle de classe. Mais c'est grâce avec l'aide du Côte-Nubienne qu'aujourd'hui, nous avons eu une salle de classe et nous demandons à l'État aussi de réagir, de construire cette salle de classe, de développer, surtout dans notre école qui n'a même pas encore de salle de classe. Mais nous avons bon espoir que rapidement cette technique de construction se diffuse à la région de Saint-Louis, mais aussi à d'autres zones du Sénégal, puisque AVN travaille également sur la zone de Thiès, sur la zone de Dakar, etc. Alors, nous développons aussi la construction de projets communautaires, ce soit des salles d'alphabétisation, des mosquées. Nous avons le projet aussi de réaliser des infrastructures de santé. Dans un objectif, c'est d'élaborer des cahiers des charges et d'impliquer des entreprises locales qui permettraient donc de diffuser cette technique de construction pour les partenaires locaux, les partenaires institutionnels, mais aussi les entreprises locales, pour vulgariser cette technique de construction, aussi pour la réalisation de bâtiments publics, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprises qualifiées qui savent réaliser ce type de construction. Alors comme on le voit, ces constructions sont particulièrement adaptées. Déjà, elles se font à partir d'un matériau local qu'on trouve sur place. Elles sont moins chères que les constructions traditionnelles et surtout particulièrement adaptées au contexte climatique. Et c'est pour ça que nous, ça nous paraissait véritablement intéressant de développer ce partenariat avec l'association La Côte-Nubienne. Et nous souhaitons bien sûr l'étendre dans d'autres régions. Pourquoi pas la région de Matam, mais prochainement aussi la zone de Dagana. Pour nous, cette construction de salle de classe par La Côte-Nubienne, c'est de l'Eden pour nous. Parce que nous étions dans des conditions très précaires, avec surtout sur des abris provisoires. N'oubliez pas que nous sommes dans un milieu où il fait extrêmement chaud, avec la poussière. Nous travaillons surtout dans des conditions très difficiles. Avec cette classe, donc, ça peut améliorer notre méthode de travail et les conditions de travail, surtout aux côtés des enseignants et en même temps des élèves. Par rapport à ce qui est venu en Guadeloupe, qui est venu en Guadeloupe, qui est venu en Guadeloupe, donc il y a une alternative pour permettre un habitat pour un plus grand nombre, plus grand nombre, plus grand nombre, plus grand nombre. Climat, vous avez une bonne chose. Wow, bon, on fait un bon chemin, côté climat, donc
La fondation EFAGE est une fondation d'entreprise donc qui a vu le projet, qui a étudié le projet, qui a vraiment senti que c'était un projet très intéressant, donc a décidé d'apporter ce soutien à l'association Route Nubienne. Donc il y a une association qui est basée en France, mais qui a décidé de rapporter cette technique qui est déjà bien implantée au niveau du Burkina, du Mali donc, et de la sous-région. Donc le partenariat est en fait un partenaire de l'association Route Nubienne. Donc après, EFAGE Sénégal a décidé aussi, après avoir jugé le projet très intéressant, a décidé d'accompagner à côté de la fondation EFAGE qui se trouve à Paris et à côté de l'association Route Nubienne et le partenariat pour vraiment faire des réalisations concrètes, vulgarisées. Parce qu'au-delà de l'aspect construction, il y a un aspect métier, un aspect formation des jeunes et ça c'est très important pour C'est Richard Samda, Indasliam, son formateur, je suis un Burkinabé. Ma présence au Sénégal ici, c'est de former des jeunes Sénégalais à la construction Route Nubienne pour qu'eux aussi demain ils puissent aider leurs parents, leurs frères à avoir un habitat aussi. Et aussi la Route Nubienne, on lutte sur la désertification, le bois est rare maintenant. Et moyens financiers aussi, il y a d'autres qui n'ont pas de moyens pour faire une habitation. Donc ça aussi, ça permet à certaines personnes aussi de gagner un bâtiment moins cher et garanti. Yaram.